Imaginez un monde où chaque être humain a accès à de l'eau propre et potable. Un monde où la soif ne signifie pas la fin d'une journée de travail et où la marche de plusieurs kilomètres pour remplir un seau d'eau n'est pas une réalité quotidienne. C'est un monde que nous espérons voir se réaliser un jour. Assalamu alaikum, là on est en route vers Sokodé. On était à Lomé. Là on est à mi-chemin, il nous reste encore 2 heures. Tout va faire 5 heures de route. On s'est arrêté, là, on a pris des bananes et de l'eau. Et là c'est parti, hein. Tout mon corps transpire là. Au Togo, l'accès à l'eau potable est un problème majeur pour de nombreuses communautés. Nombreux sont obligés de marcher plusieurs kilomètres uniquement pour chercher de l'eau, qui souvent est insalubre. Human Appeal tente de contribuer à un monde sans soif. Nous nous sommes alors rendus dans les villages reculés de Sokodé, où nous avons permis le forage de plusieurs puits. Nous avons été accueillis de manière incroyable. Des sourires, des chants, des danses, une atmosphère baignée par la joie. Nous avons réalisé de nos propres yeux l'impact positif de vos dons sur le terrain. La gratitude des villageois qui ont désormais accès à l'eau potable au sein même de leur village. Cependant, à quelques kilomètres, une toute autre ambiance. Quand tu vois comment ces gens vivent, dans quelles conditions, voilà, c'est dur. J'ai les mouches qui me tournent autour, avec la chaleur. Quand c'est comme ça, chez nous, on rentre, on prend une douche. Ici, ils n'ont pas de douche. Ça nous montre à quel point nous vivons dans un bienfait immense. Et ce genre de rencontre, bah, ça te remet les points sur les i. Des villages dont les conditions de vie sont difficiles et qui espèrent aussi un jour être aidés.